Bonjour les enfants, c'est Candice. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire un pompon avec des fourchettes. Pour ça, il vous faut une petite ou une grande fourchette, c'est égal, et de la laine et un ciseau. Je vais prendre la rose. D'abord, on coupe un bout de laine de cette longueur-là qu'on va mettre au milieu de la fourchette, comme ceci. Et ensuite, avec le reste de la laine, on va venir tourner autour de la fourchette. Pour ça, demande à ton papa ou à ta maman de t'aider à faire le début pour bloquer le fil. Et ensuite, on tourne, on tourne et on tourne. Et une fois qu'on a assez de laine, comme ceci, on peut couper le fil. Et après, avec ton papa et ta maman, tu peux attacher les fils ensemble avec celui qu'on avait mis au milieu. On fait glisser un petit peu, on le tient comme ça. Et là, on fait un nœud bien serré. Et un deuxième. Ensuite, on peut sortir les fils. Et avec l'aide d'un adulte, tu peux couper les petits fils du pompon. Comme ceci. Ensuite, on les bourriffe un petit peu. Et voilà un joli petit pompon que tu peux accrocher à un porte-clés, à une porte ou simplement pour décorer où tu as envie. À bientôt, bonne fin de journée!